Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans cette vidéo de réaction au Nintendo Direct de septembre 2019, du 5 septembre. Juste très rapidement, avant qu'on démarre et avant que vous partiez la chercher, parce qu'elle n'est pas dans cette vidéo, il n'y a pas ici ma réaction à l'annonce de Sense en costume dans Smash Bros. Tout simplement parce que j'étais totalement mort et que je suis allé me coucher directement après le direct et que j'ai pas regardé la présentation de Sakurai, même maintenant quand je vous parle, je l'ai pas regardé parce que j'enregistre ça après. Beaucoup de choses à préciser. Et du coup, j'ai appris ça en me couchant et ma réaction, si vous voulez l'imaginer, c'est juste moi qui est sur le point de me coucher et qui voit ça et qui fait what the fuck et puis voilà. Mais du coup, malgré tout, on en reparlera en fin de vidéo parce que j'enregistre tout ça après avoir vu Nintendo Direct donc, le surlendemain juste avant que cette vidéo sorte même. Et du coup, là je vais faire comme si j'avais pas encore vu et je savais pas encore ce qu'il y a dedans, un petit peu comme d'habitude, je vais présenter mon bingo, etc. Vous allez pouvoir passer avec un timecode que je vais mettre ici, là, dès maintenant, voilà, vous devriez l'avoir à l'écran. Mais sinon, du coup, on discutera de tout ça après, voilà, et dont l'annonce de Sense. Quoi qu'il en soit, avant de passer à la suite, juste, je dois préciser, concernant l'activité de la chaîne ces derniers temps, j'ai fait une annonce il y a une semaine et demie, deux semaines, dans l'onglet communauté de la chaîne, donc si vous n'avez pas la cloche, comme on dit, d'activer pour la chaîne, vous l'avez peut-être pas vu, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Sinon, j'ai fait quelques annonces concernant ça sur Twitter, et c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Twitter également, si vous voulez des news concernant la chaîne. Mais pour le résumer globalement, j'ai repris les cours, donc le rythme est un peu ralenti, surtout que j'étais pas là pendant la dernière semaine de vacances. Donc, concernant le Let's Play Earthbound, ça devrait reprendre ce week-end directement. Je crois que je vais enregistrer ça probablement dans la soirée, juste après vous avoir enregistré ce que je suis en train d'enregistrer, pour l'intro et l'outro de cette réaction Nintendo Direct. Pour ce qui est du prochain MBT, j'ai dit que le prochain MBT sera un MBT sur Zelda, Mind Blowing Fury sur Zelda. Sans donner de plus de précisions sur pourquoi, peut-être que je ferai un peu de teasing dans les prochains jours. Ça avance, ce sera pas avant la fin de la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Et ensuite, sinon, en fond, je suis toujours en train de travailler sur le MBT sur Petscope, le prochain, sachant que Petscope a ressorti des vidéos, la chaîne Petscope a ressorti des vidéos entre-temps, qui sont vachement intéressantes d'ailleurs. Et du coup, tout ça, ça sortira après, on verra, je peux pas encore vous dire. Voilà. Ça c'est pour ce qui est de ça, je crois que je n'oublie rien. Si, dernière chose, dans cette réaction je serai avec des gens, je sais que la dernière fois ça avait pas totalement plu que je sois avec des gens parce qu'on était pas mal de monde, mais je crois surtout parce qu'en fait c'était en live, donc j'avais mal fait mes réglages son et du coup on m'entendait pas trop, donc il fallait mettre le son à fond pour m'entendre. Mais d'un autre côté, en mettant le son à fond, on entendait les autres beugler, et je crois que, bon... Malgré tout, il y a pas mal de monde qui est probablement là plutôt pour m'entendre beugler plutôt que d'entendre beugler d'autres gens. Donc voilà. Malgré tout, l'intérêt avant tout, c'est que ça me plaise de faire ces vidéos. Donc moi, ça me plaît plus de le faire avec d'autres gens. Je suis désolé. Je prends en compte cette critique, c'est juste que je vais gentiment l'ignorer, voilà. Et si jamais ça vous plaît pas, bah y a pas de souci. De toute façon, il doit y avoir des tas et des tas d'autres réactions sur YouTube, et voilà, vous pouvez peut-être vous passer de moi pendant pour une journée, je ne sais pas. Et dernière chose également, je le fais pas d'habitude, j'ai fait quelques coupures dans la réaction. J'ai un petit peu plus coupé les parties qui n'étaient pas intéressantes, parce que comme je le dis, on était vachement fatigués, c'est la semaine de rentrée, encore maintenant, la semaine de la rentrée, et il était minuit, donc j'avais un petit peu une tête comme ça, voilà. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez aller voir la réaction, elle est au timecode qui doit y avoir à l'écran, et sinon, là, je vais présenter mon bingo, donc voilà, directement. Je vais le présenter assez rapidement, parce que du coup, comme je sais déjà, moi, ce qui est et ce qui est pas, c'est un peu bizarre de m'étendre trop là-dessus. Donc, je vais juste présenter très rapidement sur ce qu'il y a, ce que j'espérais avant le direct. Je vais faire comme si je savais pas, du coup, si c'était dedans ou pas, et ce pourquoi c'est là, voilà. Donc, la première case que j'ai mis, c'est Overwatch, assez simple, tout simplement, parce que il a plus ou moins fuité.
Donc Overwatch sur Switch. Deuxième, la compilation de jeux Rare, je sais plus comment ça s'appelle. Rare... Je sais pas. j'ai oublié le nom. Quoi qu'il en soit, ça, c'est lié à Banjo et Kazooie dans... dans Smash, et du coup, il y a pas mal de rumeurs aussi autour du fait que ça arrive sur Switch. Ensuite, Demon X Machina. Demon X Machina, ça fait des mois et des mois, voire même plus d'un an. Oui, ça doit faire plus d'un an qu'on nous en parle. Je crois que ça sort bientôt, donc voilà, dans ce Nintendo Direct, pour les dernières fois, je pense. Ensuite, apparition de Dragon Quest, sous n'importe quelle forme, à vrai dire. À part le héros dans Smash, mais simplement un jeu Dragon Quest ou quelque chose lié à Dragon Quest, mais qui soit pas dans Smash. Voilà, ça c'est assez simple. Luigi's Mansion 3 qui va sortir bientôt, donc voilà, là de façon assez évidente, et peut-être même que ça avait été confirmé quelques heures avant le direct, je suis pas totalement sûr. Enfin bon, voilà, je le savais pas si c'était confirmé ou pas, donc je le mets. Untitled Goose Game, qui est un jeu indé qui sort pas longtemps après ce direct, donc je l'ai mis là. Parler plus longuement de Banjo et Kazooie dans Smash, avec probablement la date de sortie. Voilà. Alors ensuite, cette case est assez spéciale, les jeux Super NES dans le Nintendo Switch Online. La raison pour laquelle il y a ça, c'est déjà parce que ça a été data miné, donc on sait déjà que ça finira par arriver, ou très probablement que ça finira par arriver. Et en plus de ça, ça fait un an que le Switch Online a été lancé, donc c'est maintenant que ça doit sortir en fait. Parce que comme ça fait un an, les abonnements des gens vont finir là, donc il faut les encourager à repayer, donc c'est maintenant qu'il faut que Nintendo sorte les jeux Super NES sur le Nintendo Switch Online, et donc du coup c'est maintenant qu'ils vont nous en parler, je pense. Ensuite, Link's Awakening, le remake qui du coup va sortir pas longtemps après le direct également, donc c'est le moment d'en parler. Case suivante, Animal Crossing. Alors Animal Crossing, il y a encore pas mal de temps et je vois pas trop ce qu'ils ont annoncé de plus. Enfin, je voyais pas trop ce qu'ils avaient annoncé de plus avant le direct. Mais malgré tout, une apparition d'Animal Crossing pour rappeler que c'est là est pas débile, donc je l'ai mis là. Après, j'ai deux cases, Pokémon, alors c'est un peu compliqué, c'est un peu des blagues. La première case, c'est simplement apparition de Pokémon, de Pokémon avec des nouveautés, quoi que soit les nouveautés à vrai dire. Donc celle-là, en vrai, si les nouveaux Pokémon épée et bouclier apparaissent, c'est gagné, voilà, directement. Par contre, la suivante, c'est un pari supplémentaire pour me bloquer un petit peu, parce que du coup, la première est un peu simple. La suivante, c'est qui parle d'une façon ou d'une autre de choses liées à la controverse autour du National Dex. C'est-à-dire que, du coup, il y a toute cette histoire de il n'y aura pas tous les Pokémon dans Épée et Bouclier, et simplement, alors pas qu'ils parlent de la controverse directement, ils en parleront jamais ça, hein, mais qu'ils parlent peut-être de quels Pokémon seront là, de quels Pokémon ne seront pas là, en ignorant le fait qu'il y ait tout un backlash énorme derrière, hein, juste nous dire, voilà. Donc simplement mentionner ça, voilà. Peu probable qu'ils le fassent, mais voilà, c'est un défi supplémentaire que je m'impose. Ensuite, on a le Free Space, tout simplement. Les mêmes règles que d'habitude. Si c'est Mother 3, j'ai tout gagné, voilà. Un jeu Kirby, qu'importe lequel. Je verrais bien, là, maintenant, un jeu Kirby en ligne. Un petit jeu Kirby en ligne. Ils font ça de temps en temps. Voilà. C'est ce que j'avais en tête quand j'ai fait le bingo. Case suivante. Probablement annonce du nouveau personnage Smash. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avance direct, du coup, peut-être une semaine avant... sur le site officiel de Smash, en fait, la page du quatrième personnage a été mise à jour avec un copyright pour la compagnie SNK, qui faisait des jeux de combat pour arcade, voilà. Et du coup, je vois pas trop pourquoi ça se serait arrivé s'il l'annonçait pas dans le direct, ce personnage. Et le plus probable de ces personnages, c'est probablement Terry Bogard, de Fatal Fury, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Je suis pas très familier avec ce personnage, mais bon... Ça me semble assez évident qu'il sera là. Enfin, voilà, ça me semblait assez évident, en tout cas, si je brise le quatrième mur, là. Quoi qu'il en soit, passons à la suite. Des nouveautés, notamment, d'ailleurs, ce que j'avais en tête, c'est un DLC, payant ou pas, d'ailleurs, pour Super Mario Maker 2, probablement un nouveau thème. Le plus logique me semblait un thème Super Mario Land, peut-être Super Mario Land 2, voilà, je sais pas trop. Donc voilà.
Parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, pareil, ça, on en parle tout le temps, donc donc en effet, ça me semble logique que ce soit là. Un Mario RPG, quel qu'il soit, que ce soit un Mario et Luigi, un Paper Mario ou autre chose. Voilà, je sais pas, peut-être autre chose. Cette image, alors ça, ce qui se passe, c'est que sur le Twitter de Nintendo of America, je crois, il y a eu cette image qui est un render de tout nouveau de Mario, etc., quelques semaines avant le direct, sans qu'on sache trop ce que c'était, qui semblait impliquer des liens avec Sunshine et Odyssey, etc., et Mario Odyssey. Enfin bon, voilà, toute cette image, si vous n'avez pas suivi, c'est un énorme mème. Simplement, ce que veut dire cette case, c'est une explication pour cette image. Je sais pas ce qu'elle veut dire, d'accord. Probablement DLC de Mario Odyssey avec du contenu de Sunshine dedans, de Mario Sunshine, même si ça semble un peu tard pour du DLC de Mario Odyssey, mais admettons. Voilà, simplement cette case se valide si jamais on a une explication de cette image, et elle se valide pas si jamais on n'en a pas. Bayonetta 3, Bayonetta 3, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, même si on sait qu'il faut qu'on attende un petit peu. Voilà, ça fait un certain temps qu'on n'a pas rappelé que ça existait, donc c'est peut-être le moment maintenant que Astral Chains est sorti, c'est fait par Platinum aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, en troisième jeu indé que je mets ici, c'est ça, je crois que j'en ai pas mis d'autres des jeux indés, enfin indé vraiment indé, parler de Ori and the Blind Forest, tout simplement. Il me semble que c'est un petit peu dans les cartons là, donc c'est le moment d'en parler. Puis on a Town, le jeu qui est développé par Game Freak également, ce serait le moment de nous en reparler, peut-être d'avoir un titre. Ensuite, parler de la Nintendo Switch Lite, ça je vais le préciser maintenant parce que du coup, comme j'ai déjà enregistré ma réaction, je le sais déjà, je ne le validerai que s'il parle directement de la Nintendo Switch Lite, c'est pas juste elle apparaît, c'est ils en parlent, d'accord, ils essaient de nous la vendre, donc voilà. Ensuite, Skyward Sword HD, alors, Skyward Sword HD, je crois que je le réexplique plus tard dans la réaction. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des grosses rumeurs autour depuis un moment, et ça a plus ou moins été confirmé par Onuma avant d'être nié par Nintendo, c'est un petit peu bizarre. Ça me semble bizarre aussi d'en parler maintenant, dans ce direct, mais d'un autre côté, quand c'est qu'on en parle sinon? Voilà, donc je sais pas, c'est dans mon bingo malgré tout. Et pour finir, le port de The Witcher 3, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de mon bingo, contrairement aux dernières fois, d'habitude je fais ça un petit peu au pif, là j'ai essayé de mettre un petit peu les trucs qui me semblaient les plus probables sur les grands axes, comme ça ils sont sur les lignes du free move, alors comme ça peut-être que j'aurai plus de lignes que d'habitude, hein, qui sait, peut-être, voilà voilà, et du coup, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Quoi qu'il en soit, bah, je vais vous laisser avec la réaction si vous êtes resté jusque là. Et on se retrouve pour l'outro. Voili, voilou. Je bois mon eau et elle est bonne. Ça c'est bien ça. Bah tiens, ce sera le début de l'intro. du coup, je suis avec des gens. Normalement, il y a l'overlay Discord. J'ai fait des trucs bien et il s'affiche. Et il y a aussi ma webcam. C'est pas mal aussi. Je sais pas du tout ce que je fais avec les intros. Du coup. Moi, j'ai pas le droit de voir ta belle tête. Ça y est, vous parlez tous en même temps, vous allez les énerver encore. Du coup, il y a Azo qui est mute, donc on lui parlera moyennement, mais un peu à l'écrit. Il y a Alizas qui a un son horrible que je vais régler tout de suite. Voilà. Ouais, non, ouais. J'adore ma vie. Ensuite, il y a Ella qui s'appelle Jean Random. Ella Random, voilà. Il y a moi. Salut, ça c'est moi. Il y a Nalax et il y a Pandé avec son chat en fond et qui veut Animal Crossing. C'est ce qui est, si vous voyez pas qui c'est Pandé, c'est la meuf qui aime Animal Crossing. Animal Crossing. Voilà. Vous tapez la meuf qui aime Animal Crossing sur Google. Et il reste 15 secondes. Et il reste 15 secondes. Et ben ça va commencer 1, 0 de mon côté. Peggy 18. Moi, à chaque fois, je défrise sur YouTube. Ah bon, bah écoute, je sais pas trop quoi te dire. Alors. Oh, ah bah direct. Super. Ah c'est pour ça qu'il a que le Genji lui. Eh ben Overwatch j'avais, donc je vais valider. Ah, je vais avoir des bruits de clics horribles par contre. Je suis désolé. Comme d'habitude.
J'aime bien comment ils rentrent dans le là. C'est un peu à l'arrache comme d'habitude. Hein. Sur Twitch, il y a quelqu'un qui spam Sardoche dans, dans le chat. Genre avec des caractères. Mais non, mais t'as pas vu le chat en fait, Nalax. C'était assez. Non, mais il parle de comment ça s'appelle. Ah ouais, mais Twitch c'est peut-être mieux, remarque. Ouais. Commence pas. Le chat YouTube était intéressant. Disponible. Ça y est, tu vois, Pandé, c'est pour ça que je parie plus. Qui c'est que va y avoir dans le direct, parce que ça j'aurais est, perdu. J'aurais perdu encore. Je joue avec ma barbe, ça doit être perturbant. Ah, on commence avec du Luigi's Mansion. Allez, ça valide. Bon, ça c'était un peu facile. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas mal. Non, mais il a un aspirateur infini, tu sais. Quoi ? Mais c'est pas un hôtel, là, c'est un monde parallèle. Non, mais ouais, c'est. Écoute. Bah, au moins, c'est sympa. Ah, oh, il y a une team Guiji. Putain, Alan, t'es vraiment visionnaire. Quoi ? Vraiment, c'est incroyable. Alan, c'est Nalax, évidemment. Non, mais d'où tu sors qu'il s'appelle Alan ? C'est pas évident du tout. Putain, c'est moi qui enregistre et c'est moi qui sors des privés de jokes, quoi. Ça n'a aucun sens. Eh, mais d'ailleurs, attends, mais j'ai gagné, il y a un jeu Kirby. Ah, par contre, non, mais c'est... C'est un port c'est... Non, c'est pas un port. C'est un jeu qui existe déjà, en fait, sur 3DS. Mais de toute façon, oui. C'était n'importe quel jeu Kirby. D'autant plus en ligne, ça m'allait mais pas c'est mal. C'est un jeu qui existe déjà, en fait. De toute façon, j'ai raison. Super Kirby Clash. Non, mais tu vois, c'est pas un port. Ah bon, c'est un une sorte ouais. De remake, je crois. Ah, c'est Trials of Mana, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, il y a des gens, ils sont contents. Un jour j'y jouerai et moi aussi je serai content qu'il soit sorti. Ça a pas l'air ouf. Ça a pas l'air ouf. C'est genre considéré comme étant dans les meilleurs RPG de tous les temps et l'autre il est au fond, il fait bon, ça a pas l'air ouf. Hein. Ah non, pourquoi ils ont mis des boobs ? Pourquoi ils ont mis des boobs ? Moi je sais pas, je regarde, hein, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? Tu trouves ça beau toi ? C'était genre ma mamie quand je regardais des dessins animés. Tu trouves ça beau, toi ? Bah, ça reste mieux. T'aimes bien ? Moi, je trouve ça moche. Mais genre, littéralement, elle venait, elle me disait ça. Non, moi, j'aime bien. C'est un peu nul, son truc, là. Non, mais c'était ça. Puis après, elle prenait la télé, elle mettait Derrick. C'est du papier. Ah, ça c'est bien ça. Attends, hein. Si je m'étais pas totalement spoil, j'y jouerais. Qu'est-ce que c'est ? Je vais attendre genre plusieurs années, un jour j'y jouerai. Mais des fois ça friche sur YouTube. Je sais pas trop. Hein. Bah va sur Twitch. Le style quand même graphique du jeu, il est particulier et assez sympathique. Hein, Pandé, va sur Switch. Mm-hmm. Ah, sur Twitch. Qu'est-ce que je dis ? Ah ouais, j'ai pas précisé aussi pour la vidéo, on est crevé, il est minuit là. Ah bah Town. Il est minuit, moi d'habitude, donc je dis. Ouais, non, totalement, mais il est minuit, c'est la semaine de rentrée, enfin on se comprend. Hein. Little Town Hero. Son prénom c'était H quand même, on peut tout en parler. Enfin je sais pas, il y a Pandé, elle était en train de dormir les 30 minutes avant le live. Mon meilleur ami s'appelle. Et encore Town, ça devait être un nom provisoire finalement, ils ont mis. Ah, c'est le nom définitif ? Ça y est. Non, ils l'ont changé, ils ont mis juste deux trucs avant. Je suis pas du tout ce qu'il dit. C'est vraiment la fatigue, là. Oh, Toby Fox. Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais comment ça, qu'est-ce que je dis ? Mais de quoi ? Mais... Mais non, voilà, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais ok, ça ah va. Ah si, ah oui, en effet. Ok. Ouais, mais j'entends pas les nuits, j'ai pas de son. Ah, c'est son... étonnant. Intéressant. Non, je vais sur Twitch. Ouais, fais ça. Je vais avoir aucun bug, vous allez voir. Vous allez voir. Bon, ah, alors, Smash. On était sur Town et j'ai du Smash. Bon, bah Banjo, je valide. Ah, avec la date en plus, évidemment. Incroyable.
Ah, il y a Sakurai qui va jouer juste après le direct. Trop bien. Le 5 septembre. Qu'aujourd'hui, bah pas mal du tout, ouais. Ah, ils ont rejoint cool. D'accord. Parce qu'il a toujours pas de budget. Mais pour l'instant. Oh mon dieu. Pour l'instant. D'accord. Oula! Ah si ça y est, bah, tu peux cocher dans ton bingo. Non mais attends parce qu'il... Attends, mais t'as une avance sur nous, Pondé, s'il te plaît. Ouais, chute. D'accord. Ils vont... Non mais me dis pas qu'ils vont annoncer le quatrième... Tu peux cocher un truc. Ouais, non mais c'est ça. Ah non, tu peux pas cocher. Ça va être le fameux perso... Ah non, attends, remarque, c'est un peu tôt ça. Ouais, d'accord, ok, non, c'est bon. La Neo Geo, quoi. Ah! Cette chose existe. Ouais. SNK, bon bah on est bon, hein. Ouais. Putain, y'a Eren. Bon, par contre, attends, comment ça va se passer exactement? Alors. Mais il est chaud sa mère, vous êtes sérieux? Tais-toi. Je n'y connais absolument rien. Bon, mais de toute façon, je crois qu'on sait tout ce qu'il sait. Peut-être. J'en sais rien parce que je connais pas. Ah non, il y en a plusieurs, attends. Ils essayent d'avoir la lettre, mais ils y arrivent pas. Ils ont Ça, c'est marrant tous ces faux espoirs. Genre, moi je veux lui, bah non, ce sera pas lui, il aura pas les lettres. C'est très ridicule par contre. Je m'attendais plus à genre un remake de. De l'annonce de Ken en fait. Twitter, arrête de me spoil. Parce que tu sais, ils arrêtent pas les remakes parce qu'ils ont pas trop de budget donc. Bon, en gros, il y a tous les persos qui l'ont pas, ok, c'est génial. Et lui, il est taré. Ouais. Ça y est. Moi, je l'ai reconnu, lui, c'est le taré. Ah, ok, cool. Bon, bah non, mais c'est le bon, celui-là. Allez, au revoir. Et voilà. Ouais. Et voilà. Bien. Red est dans Smash. Quoi? En cours de développement. Bon, bah très bien. Dommage que ça ait été un peu spoil, mais... Fatal Fury. Fatal Fury. Non, il en manque encore un après. Ouais. Ah bah, ils mettent quand même une date. Ils mettent quand même un mois. Intéressant. Terry Bogard. Quoi? Ah, cool. Attends, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais attends, mais taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cool! Ah! Eh, je l'avais dit depuis le début, Enzul me disait non. Enzul me disait non, ça n'a aucun sens. Moi j'étais plus en mode. Ouais, non, ouais, je vais insulter Enzul aussi. Je savais que tu pédais. Non, non, parce que depuis le début, on lui dit, mais oui, évidemment qu'il y a un autre fighter pass après, et puis il est là, mais non, ça n'a aucun sens! Ok, c'est parti pour j'étais en mode aussi, il n'y en a aucun. Oh, trop bien! C'est quand que j'aurais. Voilà, c'était notre moment de haine d'Enzul, pour aucune raison. Ah, oh, il a dit Suzuki. C'était pas respectueux du japonais, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça fait un petit charme quand même. Ah, mais moi j'aime encore une fois. Il est trop mignon. Attends, je suis ça parce que j'ai pas suivi ce que ça faisait tout ça. Obtenez le double des points d'or, ouais. D'accord, mais on peut pas partager juste en ligne, c'est nul à chier. Quoi, t'as cru que c'était un Mario Maker? Bah, ça aurait été bien. Ok, c'est le moment où je m'endors un microseconde le temps que cette annonce passe. Parce que j'en ai rien à foutre. Ah, tiens, n'importe quoi lié à Dragon Quest, j'avais mis. Enfin, n'importe quoi sauf le héros dans Smash, mais voilà. RPG, bon, c'est bon, valide. RPG. Est-ce que t'as un bingo avec juste marqué en gros RPG? Mais il est toujours pas sorti. Le 27 septembre. J'ai l'impression qu'on en parle depuis des années. 27 septembre, je pose pas eu la date. Très longtemps à venir en Europe. Ouais. Ah, démo gratuite disponible maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça c'est cool. J'aime bien parce qu'elle a 15 secondes d'avance sur nous. Mais du coup, on essaie d'oublier ce qui est dit. Ah, il y a un port de... Ah non. Ah, c'est un port de Shin Megami Tensei X Sharp Fire Emblem. Attendez, mais ça a aucun sens, hein. Mais de quoi ça a aucun sens? C'est sorti sur Wii U, vous non, vous réveillez, là? Oui, mais c'est un jeu...
Tout le monde sait que ce jeu existe. Par contre, je sais pas s'ils avaient déjà annoncé le port. Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? Mais vous étiez pas né il y a genre 2 ans. Par contre, c'est bien si on prend en compte les héros des derniers Fire Emblem. Oui, c'est un jeu de merde, mais c'est marrant, genre... Mais je sais pas si c'est un jeu de merde. Il me semble ça passait. J'en ai aucune idée, moi ça m'intéresse pas, mais il me semble ça passait. Mais on danse ensemble. On danse ensemble. Eh, vous me tuez, quoi. Encore. Ça, c'est un truc avec tous les Japonais un peu tardos. Qu'est-ce que tu dis encore? Il y a des gens, ils vont le prendre au sens propre. Regarde, c'est Tiki, elle a 1000 ans. Non, mais on est passé dans le début des indés, là, les indés dark. C'est même pas des indés, c'est quelque chose. Regarde, ça, c'est un indé dark. Ça arrive enfin sur Nintendo Switch. Je sais pas ce que c'est, mais ça arrive enfin. C'est quand qu'ils annoncent Undertale 2. Mais de quoi Undertale? Mais tu veux vraiment m'énerver, en fait? Vas-y, viens. Il pourrait vraiment me mettre en colère. Je suis colère bon, tout rouge. Bon, Galaxy 2, il arrive quand? Oh, ce jeu, il a l'air sympa. En vrai. Non. Toi qui a l'air. Peut-être. Oh, merci, Galaxy. Je sais pas, ça manque de... Ils ont pas mis les sons assez forts là. Je sais pas. Ah, il y a une sauvegarde dans le cloud. Alors, déjà, c'est pas pour critiquer le jeu, hein, mais un jeu qui se vend sur le fait qu'il y ait des sauvegardes dans le cloud. Bon. Intéressant. Le Léviathan, salut. On dirait plus un jeu mobile en fait. Transporter l'aventure. Dit comme ça. Releasing one of our favorite games, Doom 64. Bon, bah cool. For the first time since its original release in 1997, ouais. Ça va? Ouais. M'en fous. Ah, mais t'es trop. Oh, des nazis. C'est bon, je l'ai calé, je peux y aller. Je confirme. Eh mais c'est Assassin's Creed Black Flag. Quoi? Ah, Pokémon. Je vais fermer les yeux. Pokémon. Est-ce qu'il y a Pokémon qui arrive? Je trouve pas Pokémon sur ma liste. Ah mais oui, mais attendez, j'ai 2 cases Pokémon. Pokémon Shield take place in the Gala region, a scenic land. Une contrée pittoresque. Est-ce que vous avez vraiment écrit ça? Non, tu te calmes, tu ne dis rien. Pourquoi il y a le château de Bowser? Pourquoi il y a le château de Bowser? Bon, je valide le attaque. Ah, et ben voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Enfin, remarque, il y avait déjà dans Soleil et Lune, non? Peut-être pas autant, mais... Manteau, gants... Ah bah oui, bon bah c'est un peu plus logique maintenant, les personnalisations. Ça c'est bien. Ah, la coiffure qui change. Pas mal. Ah, y en a beaucoup. C'est cool ça aussi. Bon, ça c'est bien, c'est assez poussé. Ça c'est trop cool. Je trouvais que c'était pas assez poussé dans Soleil et Lune. Ultra Soleil, Ultra Lune, je sais pas. Mais... Ah, ça c'est le truc pour poser les Pokémon qui est pas utile. Ça y est. Oh, putain. Pourquoi il est vert? Mais c'est trop mignon. Putain le machin qui est dégueulasse. Oh mais petit. On s'amuse. Espèce de rageux, va. Mais c'est trop bien. Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Attends, en fait ça devient Nintendo. Toi, c'est sympa le nouveau Cooking Mama. Ah oui, non, mais tu m'as spoil là. Attends, ah oui, c'est bien là. Ah, du curry. C'est le curry japonais là, c'est pas. Ah non, mais tout le monde. Ah d'accord, quoi que tu mettes dedans, ça fait du curry. Ouais. Not to mention the heart you put into it. Donc si je mets une baie au rond, ça fait du curry. Quoi? Du curry. C'est claqué au sol. Mais c'est quoi ce truc? Mais pardon, le curry texte. C'est quoi ce truc? Attends, mais pourquoi il y a une tasse? Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça?
il est incroyable. Je suis sûr qu'il parle en plus. Ok, par contre, son nom anglais est plutôt très bien. Et je pense que ça doit être le même en français. C'est quoi ça? Poltergeist. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout, j'aime bien le nom. Il est tout claqué. Non, il est drôle. Qu'est-ce que c'est ça? Il est claqué. Nicosi. On dirait le mélange entre un béquipan et un canard tichot. Et un canard tichot. Et en bleu. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Attends, laisse-moi deviner. Le poisson aussi, c'est un autre Pokémon. Ah non, peut-être pas. C'est tout? Bon, remarque, c'est logique qu'ils en montrent pas beaucoup. Hein. Je sais plus si on avait déjà des dates. Je crois que oui. Oui, on en avait déjà. Ah, intéressant. Attends. Ils en reparlent parce que ça fait un an et du coup, il faut que les gens renouvellent leurs abonnements. Non, mais si, mais c'est vraiment pour ça. Hein. Voilà. Et du coup, ils annoncent ça. Boum, tout le monde l'avait parié. Super Nintendo Entertainment. Ouais. Parce qu'il faut que les gens renouvellent. Et je pense pas qu'ils vont parler du fait qu'ils mettront les jeux N64 plus tard, parce qu'il faut encore qu'ils vendent la N64 Mini. Ah ouais. À ce Noël, probablement. Ou s'ils la font pas, peut-être qu'ils le mentionneront maintenant. Mais... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? F-Zero, ouais. Ok. Super Puyo Puyo 2. Merci. Yes. Tetris 99 2.0, quoi? Tetris 188. J'ai aucune idée de ce dont il parle vu que j'y ai pas joué. Ouais, de toute façon, c'est pas ouf. Y a que Pandé qui doit comprendre ce qui se passe ici. Et encore, je comprends pas tout, mais ouais, en fait, t'as un système d'event et faut que tu finisses, je crois, premier d'un certain classement et tu peux débloquer des modes en fait. Je crois que c'est un mode où que seuls les meilleurs peuvent y jouer. Tu joues entre les meilleurs joueurs. D'accord. Mais est-ce que actuellement il reste pas. Est-ce qu'il reste pas seulement les meilleurs joueurs sur Tetris 99 en fait? Il y a vraiment des DLC sur un jeu gratuit comme ça? Oui. Bah il faut bien qu'il fasse du fric, oui. Bah t'imagines que là tu existes, t'es un gamer. Tu viens de découvrir le free to play, là. Mais là je suis sur autre chose. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On valide cette case horrible. C'est marrant. De quoi? Le rétro? Ouais, mais c'est pour le rétro. Ouais. Ouais. Ils ont fait ça. J'ai pas tout suivi. Depuis quand il y a un mode histoire? Ouais, un petit peu toujours, je crois. Enfin, plus ou moins. Non, c'est pas un mode histoire d'habitude. Sur DS, il y avait un mode histoire bien. Ouais, je crois que sur DS, il y avait un truc du genre. Sur le premier. Dis-nous qu'il sort ce jeu, qu'on n'entend plus parler de lui, là. Tu rages! Tout ça parce que c'est pas Animal Crossing et qu'il n'y a pas Animal Crossing dedans. Non, mais je Machina, je valide. Pas du Animal Crossing sur ce direct. J'aimerais bien qu'il change du jeu Hatsune Miku. Oui, mais tu rages quand même. Non, mais Hatsune Miku dans Smash est là. Hatsune Miku dans Smash. Ah oui, Hatsune Miku dans Smash, oui, je veux bien. Genre, elle m'a balancé un ta gueule et après elle a fait ah non, mais t'as raison en fait. D'ailleurs, attendez, pendant qu'il parle de Demon X Machina et qu'on s'en fout un peu, je crois, ils ont dit quoi sur le prochain pack de DLC exactement? C'est quoi les infos? Sur Smash? Ouais. Qu'il y a d'autres combattants en développement. Il y en aura d'autres? D'accord, c'est tout. Ok. C'est ça. C'est tout. Et que Sakura, il n'y a toujours pas de vie? Ok, génial. Je suis heureux alors. Classique Star Wars. Attends. Il a une de ses moustaches, lui. C'est Obi-Wan. Oh putain. Non, c'est pas Obi-Wan. Oh, ce jeu. Oh, mais c'est un vieux. Ouais, c'est des vieux. Regarde comme il balance son sabre laser. Il est là. T'as l'impression qu'il claque des doigts. Il est là. Wouh. Ah non, mais il date. Je me souviens, mon frère. Non, mais j'imagine que c'est vachement impressionnant pour. C'était vachement impressionnant pour l'époque. Mais du coup, c'est très drôle là. Intéressant. Ah, The Witcher 3. On valide.
Ah oui, il est pas beau le jeu. Oh, on a enregistré un pic à 34 FPS, ça c'est incroyable. Ah bah le voilà Black Flag. Tu me demandais, Pandé. Joseph. Je crois pas qu'il s'appelle Joseph le mec, désolé. C'est sûr. Quasiment. Latex. Ah, c'est le Monster Hunter du pauvre. Ah, d'accord. Merci, Ella. Just Dance 2020. Est-ce qu'il sort sur Wii? Je sais pas. Parce que ça m'intéresse. C'est celui qui sort sur Wii. La NBA machin. Ça, c'est encore un cash grab. Ah, ça y est, on parle de la Switch Lite. Je pense que je vais valider dès maintenant. Ah non, Marc, on n'en parle pas. Toulou, quoi ? Ah, je sais pas si je le compte. Elle sort que de transition. Elle sort que de transition. On verra au montage si je le compte. Ouais. Bientôt. T'as eu tort ? Attends, de quoi t'as eu tort ? J'ai eu tort. Ah. Elle a eu tort. Ah, elle a eu tort, je vois, d'accord. Elle a eu tort. Déjà, intéressant. Oh, oui, une jolie petite chemisette. Oh, j'aime l'OST. Enfin, c'est la même musique que celle qu'on a déjà vue. Hein. Je sais pas, j'ai pas le son. Ah. Bah c'est la même musique qu'on a déjà eue. Ok. Ah mais elles sont bien. Ok. Donc on va regarder une vidéo dans une vidéo dans une vidéo, c'est ça? Oui. Non, mais je suis bien là. On avait assez d'infos en fait pour le stand, mais c'est cool d'en avoir. Si vous voyez une télé, c'est encore une mise en abîme supplémentaire. Je suis pas sûr qu'on en verra une. Il y a plein de nouvelles fleurs et tout. Ah, il s'appelle Bill en anglais, lui. Je n'ai aucune idée. Je connais que Alphonse et Cube. C'est mes amis. Est-ce qu'on peut genre s'installer n'importe où? Oui. Ça c'est bien. J'ai pas tellement regardé le gameplay du Treehouse de l'E3, donc je sais pas tout ça. Ça repose surtout sur du crash. Ouais, j'imagine bien, mais j'avais pas trop envie de me spoil non plus. Il y a de nouvelles applications pour le Ah, j'avais même pas que ça existait. Mais intéressant. T'as un téléphone. Ah non, mais faut arracher toutes les herbes parce qu'après, sinon, c'est pas propre et tout. Ça, je m'en souviens. Non, mais c'est surtout que ça fait. Je passais ma vie à arracher des herbes. Sur Wii. Il fallait arracher toutes les herbes, t'avais un bonus après, je sais plus quoi. Je sais plus du tout ce que c'était. Ils ont repris le même principe pour la 3DS. Mais tacos, va-t'en! Tacos le chat. Tacos! Ah oui, ça peut être intéressant. Ah oui, on peut mettre à l'extérieur, évidemment. Tu as une tête de teubé, le mec. Oui. Eh, ça va, y a. Rien que dans Smash, il y en a qui ont des têtes plus horribles que ça. Hein. Franchement, ça passe. J'aime bien le vent dans les arbres. C'est nice. Nook mileage program. Attends, ah, c'est vrai qu'on peut devenir noir aussi, ça c'est vachement bien quand même. Alors, oui. Vous ne pouvez pas être noir. Oui, non, oui, c'est sûr qu'en effet, oui. De quoi c'est chiant à faire, c'est un color swap. Oh, la texture de l'eau est beaucoup plus belle. Ah oui. Peut-être, en effet, elle est très jolie. La pluie. Mais regarde comme elle nous spoil. Oh, quand on ramasse les fleurs, ça ramasse pas toute la fleur. Peut-être que c'est déjà le cas sur 3DS, mais je... Non, pas du tout. D'accord, bon bah c'est génial. Ils ont fait vraiment de... Ah oui, la pluie est sympa. Mais t'as une de ces avances, Pandé ? Non ? Non ? C'est vous qui êtes en retard. Ah oui, ça c'est un peu violent. J'avais oublié ça. Oh, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Je sais pas ce qui est vrai, mais c'est vrai. Attends, il y a des arcs-en-ciel, c'est ça? Mais c'est tellement bien. C'est des arcs-en-ciel, c'est ça? Ah non? Non. Il y a le vent pour secouer les arbres? Le vent qui secoue les arbres, mais c'est bah oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais bien le vent. Ah, c'est incroyable! Ah, c'est Cube! Est-ce que c'était Cube? Est-ce que c'était Cube? Cube, c'est mon ami.
C'est un pingouin. Des rochers qui donnent... Oh, le bouton de pêche est droit. Oh, c'était un gros truc de... Oh, il y avait un énorme truc de champignon. Putain, je veux la neige, c'est trop joli. Non, mais la neige, ouais. Oh, on peut ramasser des flocons. Oui, pour faire les... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire la... les routes. Ah, oh, c'est trop bien. Tu ramènes des poissons. C'est beaucoup trop bien. Mais on a déjà la date, mais c'est beaucoup trop bien. Il y aura peut-être d'autres futures annonces. C'est la même date, hein. Oui, c'est la même oui, date. Oui, même date. Ok. Dans 20 mars. C'était bien. Il reste peu de temps avant la sortie du jeu, oh, t'exagères un peu quand même. Non. Non, mais non, pourquoi? Ah, déjà non. La fin, déjà la fin. Okay. Mais non. Non, mais là, je rage. Bon, attends, ça te fait rager, mais qu'est-ce que c'est? Attends. Ne dis pas que c'est un Xenoblade. Ça ressemble à c'est Xenoblade le premier. Ouais. La merde. Non, mais c'est pas de la merde, mais c'est juste que. Plus il est moche. Non, remarque, déjà il est mieux que le remake sur 3DS qui était absolument horrible. Je sais pas, moi j'ai connu que la version Wii. C'est le remake sur 3DS, c'est comme Fire Emblem. Comment ça s'appelle? Non, qu'est-ce que je dis? Eagle Warriors sur 3DS, c'est genre pourquoi vous faites ça, les mecs? Il y a une grosse blague qui arrive. Par contre, le premier Xenoblade, il est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'ils nous le referont plus encore? Définitive édition. Oui. Je crois que j'ai pas de ligne. Je suis en train de regarder. Je crois que j'ai pas de ligne sur mon bingo. C'est un peu long. On sait jamais. Pourtant, il y a des trucs. J'étais sûr qu'il serait là. Ah, on dirait qu'il y a un nouveau personnage. Tant pis. Non, on peut pas y avoir de nouveau personnage. C'est le même jeu. Bah, on dirait. Après, je sais pas. Oh, bah, si on dirait. Si j'avais le temps, je le ferais. Mais j'ai clairement pas le temps. Ah, du coup, il y a la présentation de Banjo-Kazooie. Vous voulez la regarder ou pas? Non, je suis fatigué. Moi, je la regarde. Bon. Toi, tu la regardes? Ok. Je vais la regarder de toute façon. Ah non, je vais pas la regarder. Remarque. Non, je vais pas la regarder. Débrief. C'est pas ouf. Je m'attendais pas à du Animal Crossing. Non, mais après, je m'attendais pas à des trucs ouf aussi. Genre, en vrai, tout le monde... Genre, il y a personne qui était pas étonné que ça dure 40 minutes. Non, mais c'était bien. Non, clairement, ça passe. Clairement, pour un direct de septembre, d'habitude, on a des trucs moins bien. Mais c'est vrai que qu'est-ce que j'ai pas de mon bingo? Attendez, je me le mets en face. Ouais, il y a des jeux indés, j'étais sûr qu'ils seraient là. Genre, Ori and the Blind Forest et... Quoi? Ah, Sakurai? Bah oui, mais il dit tout le temps ça. Untitled Goose Game, pareil, j'étais sûr qu'il serait là. Bayonetta 3, à la limite, ok. Un Mario RPG, étonnant, mais plus tard. Attends, tu parles de quoi? Plus de trucs Mario Maker 2. Non, mais je parle de ce que j'ai pas de mon bingo et qui me semblait pourtant évident pendant que Tacos miaule en fond. Désolé. Non. Zelda Skyward Sword HD, je m'y attendais pas maintenant, mais le truc, c'est qu'en fait, je sais pas où il est. Parce que le truc, c'est que... Non, mais en gros, ce qui s'est passé avec, c'est que Aonuma, à un concert, il a débarqué sur scène, il a fait « Ouais, ouais, on est en train de faire Skyward Sword HD. » Le lendemain, t'as Nintendo qui a fait « Non, non, il dit de la merde, l'écoutez pas !» Et depuis, on n'a aucune nouvelle. Genre, pourquoi Aonuma a dit ça, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, il commençait le développement, j'en ai aucune idée. Après, le truc, c'est qu'ils ont l'air pas mal occupés entre... Link's Awakening et BOTW2. Genre, ils ont pas que ça à foutre. Du coup, voilà, je pense que je vais couper la vidéo ici. Non, en vrai, je ferai une autre. À moins que. Ouais, Pokémon Camping est vachement bien, je trouve. Pokémon Camping. Pokémon Camping avec le. Ouais. Le truc, c'est que c'est. Par contre, il y a toujours Taylor, un truc comme ça dans chaque jeu et arrête, à chaque fois, il le remplace. Ouais, le Pokémon Tailleur, non, le Pokémon Tailleur est super bien. Le Pokémon Tailleur est super bien, je ne le critiquerai pas. Oui. Je m'attendais pas du tout à du animal. Non, par contre, non, plus grosse news de ce direct, Enzul a eu tort. Enzul a eu tort, voilà. Bref, du coup, je coupe là et je pense que je ferai une outro à part. Bisous les loulous. Hein, bisous les loulous, bisous les loulous. Surtout que j'ai dit que c'était le nom de ma communauté, les loulous, donc ça marche parfaitement. Non. Allez. Et donc voilà, on se retrouve pour cette outro, du coup. Alors, avec un petit peu de recul, du coup, ce que je pense de ce direct, globalement, c'est que c'était un direct
très solide pour un mois de septembre. Un petit peu normal, entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les directs de septembre, de façon générale, si je dis pas de bêtises, hein, du moins c'est le ressenti que j'ai sans avoir vérifié, de façon générale, c'est un petit peu les directs qui sont un petit peu entre le cul entre deux chaises, on va dire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le 3, qui est passé pas longtemps avant, qui était le gros rendez-vous juste avant. Et ensuite, il y a la fin d'année, Noël, etc., où il y a toutes les grosses sorties. Et donc, en fait, le 3 va servir à mettre en place toutes ces grosses sorties, et le direct de septembre, au final, va juste servir à rappeler que ces choses vont arriver, tout a déjà été annoncé quasiment, et éventuellement annoncer des petits tweaks de plus. Et c'est pas non plus celui qui va directement amorcer l'année suivante, il va falloir attendre le suivant pour ça. Donc pour un direct de septembre, franchement, c'était plutôt pas mal, parce que si je regarde, je regarde ça en même temps, des rappels sur Luigi's Mansion, Link's Awakening, et j'en oublie un... autre chose, voilà, des rappels de plein de trucs de toute façon, hein, Mario et Sonic, Demon X Machina, Dragon Quest, qui sort dans pas longtemps, je crois... et en plus de ça, quelques jeux indés, etc. Enfin, indés même externes à Nintendo en soi, hein, le port d'Overwatch, Obradine, c'est. Voilà, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Obradine, même sans y avoir joué. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont vachement bien dans ce direct, et même si nous, là, dans la réaction, on s'en foutait un peu, même cette annonce finale de Xenoblade Chronicles, du portage de Xenoblade Chronicles original, franchement, c'est plutôt pas mal du tout, parce que quand on y réfléchit, je crois que Xenoblade Chronicles 2 s'est super bien vendu sur Switch, si je dis pas de bêtises, et du coup, en fait, Xenoblade Chronicles... je crois que ça n'a pas tant été de jouer que ça sur Wii. Ensuite, il y a eu le port sur 3DS qui était dégueulasse. Je pense pas que ça a été joué énormément aussi. Donc, franchement, le mettre en grosse annonce finale, enfin en annonce finale, qui est toujours une assez grosse annonce quand même, ça a du sens malgré tout. Voilà. Moi, ça me concerne pas, mais ça a du sens malgré tout, et c'est pas totalement idiot. Donc voilà pour ce qui est de ça. Pour ce qui est de moi, ce que j'avais mis sur mon bingo également et qui n'est pas apparu, en soi, il n'y a pas grand chose d'énorme qui soit pas apparu, parce que quelle case j'ai pas validé. La case rare de la compilation de jeux rares, bon voilà. Untitled Goose Game, c'est un jeu indé, et puis on sait déjà qu'il va sortir, il n'y a pas de souci, ça aurait été juste un rappel. Les trucs sur Pokémon, bon voilà, de toute façon il y aura un direct Pokémon avant la fin, hein, avant la fin de l'année et avant la sortie des jeux, ça me semble assez évident. Et sinon plein de vidéos de ce qu'il va y avoir en plus, enfin ils font toujours ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, Super Mario Maker 2, en vrai, c'est peut-être celui qui me semble le plus étonnant. Enfin, dans ce qui serait de nouveau, celui qui me semble le plus étonnant à pas être apparu. C'est-à-dire que je trouve étonnant qu'ils nous sortent pas des DLC dès maintenant, en fait. Et ça me fait même questionner s'il y aura même des DLC. Alors qu'ils pourraient, en vrai. En vrai, ils pourraient. Alors après, ça dépend si on aime bien les DLC ou pas, hein, mais en vrai, ils pourraient, et du coup, c'est assez étonnant. Un nouveau Mario RPG, bon... Peut-être ça tombera le début de l'année prochaine, voilà, c'est pas étonnant. L'image de Mario, l'espèce de mème, etc., avec la pastèque, bon, on s'en fout. Ori and the Blind Forest, pareil, au final c'est déjà annoncé. La Nintendo Switch Lite, ils auront l'occasion d'en reparler d'ici Noël, y a pas de souci. Enfin, je sais même pas quand ça sort, attendez 2 secondes. Ah ouais, non, en fait, ça va sortir maintenant, donc c'est étonnant qu'ils en reparlent pas. Mais bon, de toute façon, ça se vendra surtout à Noël, hein, malgré tout. Donc, ils en reparleront d'ici Noël, etc. Peut-être qu'ils en ont déjà reparlé, j'ai pas tellement suivi tout ce qu'ils faisaient autour de ça. Donc ouais, un peu étonnant quand même, voilà. Mais bon. Et pour finir, Skyward Sword HD... comme je l'ai dit au début, c'est pas si étonnant qu'ils en parlent pas maintenant. Je l'ai dit à la fin là aussi de la réaction. Pas si étonnant qu'ils en parlent pas maintenant. Et au final, on sait même pas ce que c'est. Enfin, c'est bizarre. C'est un projet bizarre, donc encore une fois, c'est pas étonnant. Et voilà, dans mon bingo, il n'y avait aucune énorme annonce de trucs.
que forcément ils allaient l'annoncer maintenant, etc. Non, il n'y avait rien de tout ça, c'est septembre, ils font pas d'énormes annonces comme ça. Donc ouais, conclusion, vraiment c'est... pour un direct de septembre, c'est solide, ça me semble très solide. C'est pas LE direct énorme, etc., mais c'est solide. Alors, il y a un sujet malgré tout, vous l'aurez peut-être remarqué, que j'ai évité là, et je vais être obligé d'en parler maintenant, c'est le sujet de Smash. Alors, Smash, déjà, la sortie de Banjo et Kazooie le jour même, directement. Pas si étonnant, parce que je crois que depuis le début, là, tous nos DLC, les trois qu'on a déjà eu, non, même les quatre, avec la plante Piranha, les persos qu'on a déjà eu là, qu'ils ont sortis en plus, à chaque fois, ils les ont annoncés moins de 24 heures avant leur sortie. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être... n'a été annoncé... enfin, la date de sortie du personnage, pour aucun d'entre eux, n'a été annoncée plus de 24 heures avant qu'elle n'arrive. Donc, pas étonnant, s'ils en reparlaient, probablement qu'en effet, ils allaient les Shadow Drop, les sortir le jour même. Ensuite, concernant Terry, du coup, dommage que ça ait plus ou moins fuité avant. Pour nous, c'est, et pour moi en particulier, c'est pas un personnage auquel je suis attaché, ni même que je savais... enfin, c'est pas un personnage que je savais qu'il existait. Mais, il est plutôt populaire... enfin, beaucoup de gens disent en Amérique du Sud, mais en vrai, un petit peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis et en Europe. Peut-être un petit peu en Europe, c'est juste que moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler. Donc, malgré tout, c'est un perso qui est très important, rien que historiquement, au niveau des jeux d'arcade, de combat... il y a beaucoup de concepts, etc., qui viennent des Fatal Fury. Donc oui, en effet, c'est un perso qui est important quand même. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit et redit, quasiment tous les persos que je voudrais dans Smash, ils sont déjà, ou ils sont déjà sous une forme ou une autre. Donc franchement, il n'y a aucun souci, ça me gêne pas, il prend la place de personne. De toute façon, c'est débile de penser qu'il prend la place de quelqu'un. Donc voilà, très bien. Concernant le nouveau pack qui aura ensuite, on ne sait pas exactement ce que sera, un nouveau pack de personnages, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme, peut-être qu'il y aura des échos, peut-être, je ne sais pas ce qui a été confirmé et déconfirmé à ce niveau-là. Très cool, très cool. Je m'y attendais, mais en effet, c'est vrai, on est mauvaise langue par rapport à ce que pensait Enzul, là, dans la réaction. On est mauvaise langue, il n'y avait pas tellement d'arguments pour dire que ça allait arriver, c'est juste que... commercialement parlant, ça avait un petit peu du sens quand même, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, très content que ça arrive, très content de donner mon argent, voilà. Et le dernier dont je vais être obligé de parler maintenant, c'est l'inclusion de Sense, qui est arrivée juste après, dans la présentation de Sakurai pour Banjo et Kazooie, et pour la version 5.0 de Smash, alors que voici le coq. Et du coup, ouais, très surpris de cette annonce, même si je tiens à dire que Sense était dans ma liste de persos que je voyais être en DLC Smash. Voilà, j'étais une de ces personnes qui... alors, non. Au début, j'étais une de ces personnes qui avait dit « Non, arrêtez, c'est mort. Voilà, calmez-vous. Qu'est-ce que vous me racontez ?» Et voilà, c'est un peu normie de demander Smash dans... de demander Sense dans Smash, malgré tout, hein. Même si, bon... j'aimerais bien, mon côté fanboy aimerait bien malgré tout. Et du coup, j'avais fini par être convaincu. J'avais fini par être convaincu avec le fait que Shovel Knight soit représenté en trophéehead, le fait que Chanté soit représenté en esprit, je ne sais plus. Enfin bon, bref, le fait est qu'en fait, en perso indé qui avait des chances d'être dans Smash, c'était le seul qui restait. Voilà. Et du coup, ça me semblait avoir du sens. Alors après, il y avait toute cette discussion de si ce serait Frisk, si ce serait Chris, si ce serait Sense. J'étais resté sur Sense personnellement, mais voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, il est en costume avec Megalovania associé. D'ailleurs, Megalovania, très cool, le remix est excellent. Je tiens à dire, enfin voilà, toute cette histoire, c'est cool qu'il y ait Sense en costume. On s'en fout un peu au final malgré tout, mais c'est très cool. De mon côté, je m'en fous un peu, parce que dans un sens, en fait, je joue plus tant que ça à Smash, plus autant qu'à une certaine époque en tout cas. Et Smash, c'est un petit peu, et je pense que ça l'est en partie pour beaucoup, c'est un petit peu des sortes de awards, d'Oscars.
du jeu vidéo, en fait, être inclus dans Smash, c'est vachement honorifique, etc. Et du coup, le fait que ce soit reconnu, que Sen soit reconnu dedans, et plus particulièrement qu'il y ait Megalovania, et même que Sakurai ait parlé de Toby Fox après, Toby Fox qui d'ailleurs compose aussi pour Town, enfin pour Little Town Heroes, le jeu de Game Freak, très cool. Voilà, c'est vachement inspirant dans un sens d'un point de vue d'un point de vue des développeurs indés, etc. C'est-à-dire que en vrai, mettre Megalovania, c'est pas seulement la musique d'Undertale, une musique d'Undertale, c'est déjà ça vient pas de là, mais du coup en fait c'est un petit peu le thème de Toby Fox dans un sens, et d'ailleurs le remix en lui-même fait des clins d'œil aux itérations précédentes. Avec la présence de la guitare des deux premières versions, enfin bon, voilà. Et du coup, ouais, c'est vachement... Enfin voilà, vachement content pour Toby Fox. Dans un sens, il le mérite. Donc voilà, vachement content. C'est un petit peu... C'est un petit peu lui filer un Oscar, voilà. C'est un petit peu ce que je veux dire. Très inspirant. Quoi qu'il en soit, je crois que j'ai fait le tour de ça... je pense pas avoir tant que ça à dire. Personnellement, toujours très hypé malgré tout pour les persos Smash, même si j'y joue plus tellement, du coup ça m'intéresse quand même. Pour ce qui est Luigi's Mansion, c'est pareil, je suis pas. C'est pas tellement mon truc au final, les Luigi's Mansion, donc voilà, mais content que ça sorte, et en effet, vu comme c'est apprécié, ça mérite un troisième opus. Mais voilà, ce qui me hype le plus, c'est du coup Link's Awakening. Il va falloir que je trouve du temps pour jouer à Link's Awakening, le remake, sachant que j'ai jamais joué à l'original, donc ça va être l'occasion pour moi d'y jouer. Animal Crossing, j'attends avec impatience, évidemment, je crois que ça s'est senti. Et sinon, je crois que c'est tout. Voilà, c'est un petit peu des rappels, à vrai dire, c'est des trucs que j'avais déjà dit. J'oublie peut-être quelque chose, je le mettrai à l'écran, peut-être pas, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, voilà. Et quel perso, cinquième perso du Fighter Pass de Smash, je pense que le plus probable, c'est quelque chose comme Doomguy ou quelque chose du genre. Mais moi, j'aimerais bien un Tsune Miku. Je trouverais ça... Alors, je suis absolument pas familier avec Vocaloid, ni avec quoi que ce soit lié avec Hatsune Miku. J'ai jamais rien fait de tout ça. Mais malgré tout, je trouverais le personnage très intéressant dans Smash. Donc voilà. Au final, c'est ce qui m'importe le plus, que ce soit un perso intéressant, sachant que j'ai déjà un petit peu tous les persos que j'aimerais. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette réaction vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner. Et sur ce, Captain Hype, out. Remerciements à mes tipeurs du mois d'août. Turok 2, Extreme Pony, I'm Lace, Kelbetoke, Coromon 789, Calamitos, Pacho, Cassoulet Star et Trizek. Si vous voulez soutenir mon travail sur Tipeee, le lien est à l'écran et dans les descriptions.